écoute, faut le dire, tu bats Villeneuve de 40, tu gagnes ici à Bourges. Donc nous on y croyait, honnêtement, on se l'était dit avant le match, mais bon voilà, après faut être sérieux aussi, quoi. T'es à Bourges, et il y a une grosse équipe en face et tout, donc je pensais pas qu'elles allaient déjouer comme ça et qu'elles allaient douter comme ça, tu vois, notamment au niveau de leur tir extérieur. Donc on a fait le pari de leur maladresse et puis bah à fond 2 sur 15 à 3 points, tu vois. Donc quand elles vont avoir trouvé un peu plus de rodage et d'automatisme et qu'elles tireront un peu plus en rythme, et, voilà, ça sera difficile de venir gagner là parce que là on ferme la raquette ce soir. Donc voilà. Je suis pas du tout satisfaite ce soir. Je veux pas chercher d'excuses. Après, c'est un groupe, on sait très bien que pour les filles, je suis importante. Cette semaine, on a travaillé sur 3 jours seulement pour que je puisse revenir parce que, comme vous le savez tous, mon début de saison n'a pas été encore entamé. Et est-ce que mon retour en a déstabilisé certaines? Je pense sincèrement que oui. Mais on est des professionnels. Je sais aussi qu'il nous faudra du temps pour construire cette équipe. Mais satisfaite ce soir, absolument pas. Parce que malgré tout, il y a un minimum à montrer. Mais je pense que les mots aujourd'hui que je vous dirai ne serviront à rien. C'est à nous de les montrer. On a beau dire, voilà, il faut être plus dur. Avec ce maillot, ils vont vouloir nous casser la gueule. C'est clair. Tout le monde nous attend pour ça. À nous de montrer aux gens qu'on n'est pas... En italien, on dit ça, fighette, les petites qu'on ne peut pas toucher. Voilà. Il faut se monter un peu plus, un visage plus de conquérante. Mais je pense que voilà, le temps est donné pour ce début de saison. On sait sur quoi on doit avancer. Les prochains entraînements, en tout cas, je nous attends, moi, la première, dans cette réaction-là. J'explique, c'est que derrière, quand on voit l'équipe de La Roche qui vient, qui joue dur, qui, comme il l'a dit à la mi-temps, la mi-temps du match de l'Open, ok, on cartonne. Et ils cartonnent. Et nous, tant qu'on ne comprendra pas de toute façon que derrière, les équipes elles vont jouer avec cette hargne-là quand elles nous jouent. Et peut-être que le retour en fin de match contre Lyon la semaine dernière, samedi, ne nous a pas mis dans un sentiment d'urgence. J'aurais aimé qu'on ait un sentiment un peu d'urgence, comme on l'a eu par période là sur la fin du troisième et du quatrième. Mais on a l'impression qu'on ronronne. Et voilà, bon, il faut à un moment donné, il faut surtout respecter voilà, les principes. Et ces petits principes, c'est que la première des choses, c'est de la dureté, quoi. Et si tu joues sans dureté ou avec moins de dureté et tout ça, ben après, la pièce elle peut tomber d'un côté ou de l'autre. Voilà. Sur ce soir, je trouve qu'ils ont mis plus d'énergie et de dureté que nous. Voilà. Tu disais après le match des champions, justement, que l'année dernière,